Bonjour à tous, Gwenter et Gwentris. Comme vous l'avez pu voir dans une vidéo précédente, j'ai été défié par ces coquins de Faberstein et de Kevan à jouer un deck et gagner au moins une partie en jouant un deck qui comporte la carte CSNT6 Feu, que j'ai du coup crafté en premium pour l'occasion parce que je ne l'avais pas de base, je n'avais pas cette carte du tout, donc je l'ai crafté en premium pour l'occasion et en plus. Ils m'ont donné la contrainte de jouer deux Doppler dans la même partie. Du coup, bah c'était quand même un deck assez compliqué. Il fallait quand même que je crée un deck assez compliqué. Enfin, c'est des contraintes assez compliquées pour faire un deck. Et je vais proposer ce deck-là. Je vous propose ce deck-là, là, avec un deck Scoia'tael Francesca. Alors, pourquoi Francesca? Bah, tout simplement, vu que j'ai la contrainte de jouer CSNT6 Feu. Ainsi que les deux Doppler, il me fallait forcément que je les ai à un moment ou un autre en main. Et pour ça, la meilleure carte, le meilleur leader pour arriver à cette finalité, c'est Francesca, qui va me permettre d'échanger une carte avec une autre de mon choix, tout en améliorant celle que je récupère 2 points. Donc comme ça, je suis sûr de récupérer CSNT6 Feu et de récupérer au moins un Doppler ou une mercenaire elfe, puisque les mercenaires elfes sont là pour sortir les Doppler. Bon, Doppler étant une carte extrêmement mauvaise. Comme il faut que j'en joue deux, en fait, le meilleur moyen pour moi de rentabiliser le fait que je sois joué deux Doppler, c'est du coup partir sur un deck Sirinova en jouant que deux copies de chaque carte bronze. Du coup, il faut que j'ai absolument ces cartes-là en main. Il faut que j'ai absolument Doppler, et enfin que je joue Doppler et CSNT6 pour remporter le défi. Et donc, le meilleur moyen, c'est un peu continuer comme ce que je pensais sur Francesca, c'est-à-dire partir sur un deck plutôt basé sur l'échange de cartes pour sécuriser le fait que j'ai ces cartes en main. Donc du coup, je suis parti sur Saskia, qui va me permettre d'échanger 2 cartes avec maximum avec 2 cartes bronze. Du coup, CSNT6 Feu, qui est là pour un peu le côté fun du défi. Isengrim Brigand, qui va me permettre. En fait, je savais pas trop quoi mettre en carte. Une autre carte or, donc j'aurais pu prendre Uma pour le côté encore plus rigolo, encore plus aléatoire, encore plus fun, mais je me suis dit quand même, un petit Isengrim Brigand c'est toujours très fort, donc on va le prendre. La Sirinova, forcément, c'est ce qui va me permettre de gagner, ça va être l'ossature un peu du deck. Et derrière, en carte argent, j'ai pris Yevine, j'ai pris Elias, j'ai pris Toruviel, Eliren et Ida. Alors Eliren, c'est pour qu'elle sorte un peu plus facilement pour avoir un petit power play du deck. Les deux Bucroix d'Aldur pour aller chercher Yevine ou Elias à la fin. Toruviel, parce que c'est toujours assez sympa, et puis Ida pour me protéger de la météo. Derrière, deux sapeurs de Vriad, deux éclaireurs elfes pour la partie échange, sachant que je pourrais enlever les sapeurs et mettre des. Je pourrais enlever les sapeurs et éventuellement mettre des danseuses guerrières. On va peut-être faire ça même. C'est un peu moins fort, mais du coup, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que comme je vais bannir une partie de ma main avec Saskia. C'est vrai que si je banne des cartes et que je récupère Danseuse Guerrière derrière, je suis pas forcément très content. Mais bon, on va tester comme ça, et de toute façon on verra bien. Double archère, double avant-garde de Vriad, double chasseur demi-elfe, double officier de Vriad, du coup double Danseuse Guerrière, double mercenaire qui vont chercher les deux Doppler. Allez, on va partir en game normal pour tester, pour gagner au moins une partie en jouant du coup ces 3 cartes-là. Ça va pas être simple. Ça va clairement pas être simple, je vous l'avoue. Mais on va faire ce qu'on peut quand même. De toute façon, je vous dirai dans la vidéo, je vais faire forcément du montage parce que je pense que des parties, je vais en perdre. Et je ferai forcément du montage pour vous dire après un petit training montage d'une part, et ensuite d'autre part pour vous, je vous dirai du coup le nombre de parties que j'ai dû faire. Pour valider le défi. Après, si on réussit la première game tout de suite, c'est parfait. Hein, Attack! mais... Honnêtement. My folk have Je sais même pas suffered si je vais être capable d'en loss. gagner une. Hein. C'est chaud comme contrainte en vrai. Hein. Alors, on a un Doppler, on va le renvoyer. On a elle, Irène. On va la renvoyer. Une archère de Batana. On peut renvoyer l'archère en vrai. On va renvoyer Elias. Ok, on a Yevine. Comme ça permet de faire monter Elias en plus. Futhumeria! Ok, on envoie direct la sauce. Du coup, là ce que je peux faire c'est sortir Mercenaire Elf Doppler.
Have strength, my love. Yes! Mon sauce guerrière. Watch and learn. C'est de la merde. Elves must die. Oh. Bon, je crois qu'on va quand même sortir les Dopplers en premier. Everything all right. Ça, c'est un peu mieux. Skyatel, attack! Skyatel, attack! Qu'est-ce que je veux sauver? Non-humans. Je pense que je peux jouer Yevin. Parce qu'il faut que je réfléchisse à savoir quelle carte je veux sauver. Parce que j'ai pas envie de voir ma Ciri Nova brûler sur sa synthèse feu. C'est ce que je récupère maintenant. Si je joue une carte, je suis bien. S'il passe, c'est pas grave. Si je joue une carte, je suis vraiment très bien. Onward! Attack! Ok. Ça me permet d'avoir un carte avantage de deux cartes. Ce qui est plutôt cool en vrai. Donc là, on va mulligan Ciri Nova. Pour justement pas la récupérer. Enfin, pour la récupérer plus tard sur cette NT6 feu. Toriviel, ça aurait été sympa de la voir aussi, mais. Ok. Là, j'ai quasiment pioché tout mon deck. Die, burn. Allez, c'est parti. Finalement, Toriviette, c'est pas un très bon choix parce qu'on va pas pouvoir la piocher trop facilement. Donc je vais peut-être la supprimer, mettre autre chose à la place. Parce que justement, j'ai plutôt l'avoir en main à cause de cette scène des 6 feux en fait. How about a game of Gwent? Donc c'est pas foufou. Bon, là, ce qui est bien, c'est que par contre, je vais pouvoir monter à fond mon Elias. C'est une bonne nouvelle en soi. Hey. On va déjà commencer par jouer les chasseurs de mi-elfes. En gros, là, l'idée, c'est booster à fond mon Elias. En maximum. These dogs have no honor. Donc là, je fais éclaireuse elfe sur Elias. Only death here for Dwan. Si je le récupère, tant mieux. Une avant-garde, c'est pas mal. L'avant-garde permet de comboter sur Saskia. What? Hein? Huh? Who are ça, c'est relou. On va essayer de le tuer avec Isengrim. Je fais Isengrim. No je crée un elfe. Malena. Malena peut être sympa. Ah, Malena peut être très bien, mais il faut qu'on ait un peu de chance. Ok. Donc là, faut qu'il ait ensuite, faut qu'il aille là, puis là. S'il revient là, on perd sur Malena. Ah. Là, on fait Saskia. We win. On revoit ça. Ah, il me restait qu'une. Ouais. Non, c'est bon, il va s'activer. Parfait. Parfait, parfait, parfait. But we're broke as shit peddlers. Là, il va se faire surprendre. Ah, magie, magie. You. Curse you, Dwan. Très bien. Donc là, on a 1, 2, 3. 4-5 elfes. Je vais faire sortir à l'Irène. Thank you. Il joue un choupe ou quoi? Non, il joue pas un choupe parce qu'il joue un Fantasmagorien. Ok. Donc là, c'est Francesca. My folk have suffered much. On mulligan ça. On va chercher Elias. Hey, I'm on it. Only death here for Dwan. On va renvoyer Elias. Hey.
sans la double croix d'Alzur. I do what I must. Là, faut faire. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas suffisant, je suis obligé de lancer Nova. Ho, ho, I sense trouble. Et je perds. Je vais enlever Aelirén, je pioche trop. Je vais mettre autre chose à la place d'Aelirén, un truc pour être sympa. Alors, peut-être qu'il a rien. Hein. I was hoping you'd say that. Allez, il a peut-être rien. Bon. Allez, il a rien. Bon, ok. T'es perdu. Très bien. Allez. On va enlever Aelirén, effectivement. Aelirén, c'est pas un bon choix. Aelirén, c'est pas un bon choix. Mettre autre chose à la place d'Aelirén. Qu'est-ce qui pourrait être bien à la place d'Aelirén? Qu'est-ce qui pourrait être bien à la place d'Aelirén? Kiaran, ouais. Sarah, en vrai, ça pourrait être pas mal, hein. Ça me permettrait d'échanger une carte or si j'en ai besoin. En vrai, il n'y a pas de truc vraiment foufou. Malena. Maureen, pourquoi pas. Maureen, pourquoi pas, en vrai. On teste avec Maureen, allez. Allez. Bon, première partie, première défaite. C'est étonnant. Et c'est reparti. Bon, je vais peut-être vous mettre le training montage maintenant, là, si ça dure trop. Ça dure trop, je vous mettrai à partir de maintenant avec une musique sympa. As you desire. Prepare for war. Il est pas prêt. We do what must be done. Ok, c'est pas trop mal. Je suis obligé de jouer mercenaire elf en premier. Everything all right. Voilà. Farmahagam. Je peux pas laisser ça en vie. Why have you summoned me? Let's go. Ok. C'est pas mal, c'est une bonne main.
My men know the meaning of sacrifice. Je pourrais passer là en vrai. Je peux pas jouer contre ça malheureusement, c'est un peu trop lourd. Tu en as là-bas. C'est bon, il y a le dernier. Allez, on va y rejouer. Oh là là, quel talent! The time of the white frost and white light is nigh. There's been a mistake. I'm no mage. The storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Yes! Kayam! C'est pas encore. Là, c'est pas encore. You should not have come here. Watch and learn. Okay. I'd fail Menherith Den Verde. Edna and Rosa, I must attend to their needs, their well-being. You are dogs, and I shall treat you as such. I kneel before no one. Watch and learn. All is in place. Hail Katzer! Okay, c'est pas très grave, même plutôt bien, de toute façon c'est la cible que je n'ai bougé. You annoy me.
We do what must be done. This could hurt. Clearly, I've a weakness for horned wenches. Squesme, Evelyn. Pas tiré comme main. Vraiment nul. The time of the white frost and white light is nigh. A storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. I shall not fail! You stand before the Queen of Skellige. C'est bien les jambes GG, moi je les cherchais pas, donc je m'en bats les couilles. Everything all right? Onward, Vryhed! Have strength, my love. Pas mal ça. Slaughter them to a man! Now, how did that incantation go? A storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Slaughter them to a man! Pas lui, c'est ça, hein. Have strength, my love.
What? Gledivan Vort! On a une bonne main en vrai, hein. May your sword and arm be one. Ah. Ok. Your tricks will not save you, Dwan. On peut le faire. Avec un peu de chance. Ah, c'est pas mal ça. We were not the ones to start this war. I'd fail Menherith Den Verde. Est-ce qu'il y a... Let's hurry. Je vais garder ça. Humligan, ça et ça. Too fast for you, Dwan. Je vais récupérer ça. Et ça, je pense. Donc la série Nova, je vais la jouer en dernier. You annoy me. Squesme, Evelyn. And learn. Onward, Fryhead! The only good human is a dead human. The time of the white frost and white light is nigh. Swords I smile at, weapons laugh to scorn. The only good human is a dead human. Ok. Montez. Get the word. Ça c'est plutôt mal joué. Je pense que je vais ban la double croix d'Alzur, j'en ai pas besoin. Si je vais chercher mon Elias, il meurt sur incinération, donc... C'est pas ce que j'ai envie de faire. What? I never miss. Je le mets à 1 pour son... Après je peux récupérer tellement de merde.
Après, il peut ne pas avoir Shiru, hein. Oh là là! Le talent de cet homme. Yield and save me some time. Oh, how lovely it burns. I like the way you Yes! Yes! Trois essais, ça... Ah! Trois essais seulement. Bon, Sasuke, sa 7-7-6 feu a été joué en mode sur une seule carte. Bon, j'ai banni une seule carte et j'étais chanceux derrière. Mais je pense qu'on peut considérer que le défi a été rempli. Voilà, j'ai quand même banni une carte en soi. Certes, j'ai pas banni toute ma main, mais faut quand même être, faut quand même reconnaître que j'ai joué le défi, que j'ai banni une carte. C'est pas comme si j'avais joué et qu'il me restait aucune carte dans la main. J'ai quand même banni une carte. J'ai quand même pris le risque de bannir une carte. Donc je peux... J'ose penser que le défi a été validé. Et voilà. Et de toute façon, je considère que le défi a été validé. De toute façon, si cette vidéo est postée, j'en ferai part, je vais en parler avec, avec mon compagnon, et si cette vidéo est postée, alors ça veut dire que le défi a été validé. Sinon, ah, il est temps de défier quelqu'un. Il est temps de défier quelqu'un, et je pense que je vais défier Kayvan. Pourquoi Kayvan et pas Faberstein alors que c'est Faberstein qui lançait le défi? Parce qu'en fait c'est Kayvan qui a rajouté la difficulté derrière de jouer deux putains de Doppler encore. Jouer CN7T6 tout court, j'aurais pu jouer un jeu avec Choup, ça aurait été allé. Mais là, vous fallait sortir les deux Doppler derrière, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment plus casse-pied. Et du coup, je vais défier Kayvan. Et... Eh bien, Kayvan, tu vas devoir jouer un deck avec cette magnifique carte qui est Cambi. Voilà. Je te défie de jouer un deck Cambi et de gagner avec un deck Cambi. Est-ce que tu oseras relever mon défi? Allez, sur ce, passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Ozymandias pour GwentFR.